Yeah. Rastafari base. Yeah. Rastafari base. Roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le lion conquérant de la tribu de Judas. Le Shiloh. Le Christ noir de l'âme. Yeah. Rastafari base. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confondu. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas comme un péché. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Parce que vous appelez le bien le mal et le mal le bien. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert et rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Heureux ce livre pour qui je ne serai une occasion de chute. Et celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aimez-vous les uns les autres. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre, Rasta. Vous êtes la lumière du monde, Rasta. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tchak! Rastafari Selassie. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de cette bien futile dans l'abondance. Je suis venu jeter le feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Vous serez livrés par vos parents à cause de Rasta. Car il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, et on vous jetera en prison. On vous murmura devant les rois, les gouverneurs, à cause de Jack de la CIA, mon oncle. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister et contredire. Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Jah, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point celui qui peut tuer le corps sans rien faire à l'âme. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni rien dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Voici,
je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Quiconque met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Jah. Car personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Et qu'un prophète n'est honoré dans sa propre patrie. Jah, Rastafari Selassie. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire de bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Ainsi parle l'Éternel Jah. C'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envahis. Je ne les ai point donné d'ordre. Je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, dit l'Éternel Jah, sur les prophètes qui prophétisent à mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent qu'il n'y aura pas de famine ni de l'épée, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Jah, Rastafari Selassie. C'est pourquoi, dit l'Éternel Jah sur les prophètes qui prophétisent à mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent il n'y aura pas dans ce pays ni le paix ni famine, ces prophètes périront par le paix et par la famine. Mieux vos chercheurs refusent en l'Éternel Jah que de se confier à l'homme. Mieux vos chercheurs refusent en l'Éternel Jah que de se confier au grand. Heureux ceux qui sont intègres de leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel Jah. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, commencerait à frapper à la porte en disant « Jah, Jah, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et que tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. » Vous tous ouvriers d'iniquité. Rasta, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Rasta, soyez saint et pur, comme lui-même est saint et pur. Car les têtes sont rasées et la barbe coupée, vous ne pouvez servir Jah et Mammon. Vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Jah connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Jah. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jah, Rastafari Selassie. Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il
ils ont endissu leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant les préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Jah et vous observez les traditions des hommes. Rasta. Quiconque aura honte de moi et de mes parents au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous avez fait une caverne de voleurs. Vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Pierre lui dit, quand tout sera scandalisé, je ne serai pas scandalisé. Et Christ lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit-là même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est ferme. Jah, Rastafaraslas. Ainsi parle l'Éternel Jah. Le ciel est mon trône et la terre est mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel Jah. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, sur celui qui immole un bœuf ou tuera un homme, sur celui qui sacrifie un agneau ou adorait des idoles. Tout cela se complaise dans leur abomination. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel Jah. Le temple de l'Éternel Jah. Le temple de l'Éternel Jah. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Voici, vous vous livrez dans des espérances trompeuses qui ne servent à rien, quoi dérober, tuer, commettre des adultères. Jurez faussement, offrir de l'encens à Baal. Allez auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous prosterner devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés? C'est en fait de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel Jah. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte. Jusqu'à ce jour, je les ai envoyés tous, mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne l'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont réduit leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Alors dis-leur,
C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel Jah et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Mont sur les hauteurs et prononce une complainte. Car l'Éternel Jah rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel Jah. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. L'Éternel Jah, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tout la vie, la respiration et toute chose. Car en lui, nous avons de la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de nos poètes. De lui, nous sommes la race. Tchak, Rastafaras las. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'Église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Rasta, toi qui donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, toi qui te flattes d'être docteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui es en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Jah par la transgression de la loi. Car le nom de Selassie, Jah Rastafara Selassie, est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Jah.